Bonjour, je suis Bérangère Calais et j'habite à Porto. Avant IAD, j'étais formatrice en orientation et insertion professionnelle. Je m'occupais de tout ce qui est bilan de compétences sur Bordeaux. Moi qui m'occupais de la reconversion professionnelle des personnes, j'ai décidé moi-même de me reconvertir. Je suis partie à Londres dans le cadre de développement personnel et au détour d'une rue, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont présenté l'opportunité IAD. Quelques mois plus tard, lorsque je suis rentrée sur Bordeaux, j'ai décidé d'intégrer le réseau. Il y a trois raisons pour lesquelles je suis rentrée chez IAD. Premièrement, l'international, et j'étais loin de m'imaginer que trois ans plus tard, j'irais vivre au Portugal, premier pays ouvert par IAD. Deuxièmement, le marketing de réseau. Et ensuite, le fait que je puisse transmettre ce que je construis à ma fille. Au bout de 10 mois, j'intègre la troisième personne qui fera partie de mon équipe, qui est portugaise. Je me dois de l'accompagner au Portugal. J'atterris là-bas, je tombe amoureuse du pays. Et quelques temps plus tard, je décide moi-même d'aller y vivre. Donc je change de concession, je passe de IAD France à IAD Portugal. Pour moi, c'est un vrai défi, un vrai challenge, parce que je dois apprendre une nouvelle langue que je ne maîtrise absolument pas, et un nouveau métier, une nouvelle manière de faire. Lorsqu'on a une équipe à l'international, ce qui est important, c'est d'avoir une véritable organisation, multiplier déjà les déplacements entre les pays, et ensuite la mise en place de tout ce qui est visio pour pouvoir accompagner ces équipes à distance. Grâce à IAD, j'ai pu réaliser mon rêve que d'aller vivre à l'étranger en emmenant ma fille pour qu'elle puisse apprendre une autre langue et découvrir une autre culture. Aujourd'hui, IAD met tout en place pour justement faciliter l'international avec la mise en place de tous les outils qui vont nous permettre de pouvoir accompagner et de pouvoir produire également. Mon objectif d'un point de vue professionnel, c'est d'avoir un pilier dans chaque pays, maintenant que j'ai la connaissance de ces rouages à l'international. Mais surtout, d'un point de vue personnel, c'est de prouver à ma fille que le monde est à elle et qu'elle peut dépasser les frontières. Aí há de mundo a minha vida.